Good morning, Aleiden, Moadim et Simcha. Nous sommes le lundi 17 Nissan 5776, deuxième jour du Homer. Et l'étude sera le Louinishmat Rachel Batsaré, le Fouat Arav Yosef Raim, Ben Emma Simcha, Betoch Shar Cholé Israël. Nous étudions Baba Kama Perek Yud Mishnah Aleph, le dernier Perek de Baba Kama. A Gozel Oma Achilet Banav, Vehiniach Lifneem, Pturin Mileshalem. Vimaya Davar Sheyeshbo Acharayut, Chayavin Leshalem. En portin, lo mitevat amochsin, ve lo mikis shel gabain, ve en notin mehem tzedaka, aval notel hu mitoch beto o minashuk. Pour comprendre cette Mishnah, il va falloir introduire une notion essentielle aux lois de Gzela, qui apparaîtra aussi quand on arrivera, Bezrat Hashem, très prochainement, à Baba Metzia Perek Bet, ça apparaîtra de nouveau, la notion du Yehush. À part nos amis Breslev, Shen Shum Yehush Baolam Klal, la notion du Yehush se trouve dans la halacha, essentiellement dans la halachot de Gzela et de Aveda. Qu'est-ce que le Yehush ? Le désespoir, à part le désespoir moral, il y a le désespoir juridique. De quoi on parle ? On parle que j'ai un bien, tout bien, qui sort de notre propriété malgré nous, parce qu'il a été volé, parce qu'il a été perdu. Alors, on différencie dans la halakha deux états. Le premier état, c'est lorsque on vient de perdre l'objet ou on vient de se le faire voler, on espère encore qu'on va le retrouver. Et donc, l'objet a pour le moment un premier statut. Et puis, le temps passe, on cherche, on trouve pas, on interroge, il réapparaît pas. Et alors là, il y a un moment où le propriétaire se dit Vaile le chisaron kis. Oh, malheur à cette perte d'argent, il réalise en réalité qu'il ne retrouvera plus jamais son objet. Et dès lors, il se détache beaucoup plus fortement de son objet. Il espère plus le retrouver. Pour le moment, on n'a pas parlé de halakha, on a juste parlé de deux états. Premier état, avant Yehush, donc on ne s'est pas encore désespéré de le retrouver. Et deuxième état, après Yehush, on s'est désespéré de le retrouver. Quel statut a l'objet ? Question délicate, qu'on ne pourra pas traiter sous tous ses aspects, mais on va plus converger maintenant vers la halakha qui nous concerne dans les lois de Gzela. Lorsque je vole cet objet, d'accord ? Donc dans un premier temps, le propriétaire ne sait même pas qu'il a perdu, qu'il s'est fait voler l'objet, il espère qu'il va le retrouver, que c'est un copain à lui qui lui a fait un mauvais coup, d'accord ? Donc pour le moment, il espère retrouver l'objet. Donc cet objet, pour le moment, appartient fortement à lui. Puis vient ensuite le deuxième temps, où il réalise qu'il ne retrouvera plus jamais son stylo, et donc il se désespère et dit « je suis mitièche ». Dans les deux cas, l'objet continue à appartenir à cette personne volée, qu'à titre indicatif, on va appeler Réhouven. Cet objet continue à appartenir à Réhouven. Pourquoi ? Parce que lorsque j'ai pris cet objet de Réhouven, j'ai pris cet objet en transgressant un interdit. Et ça fait que j'ai aucune possibilité d'acquérir cet objet, parce que cet objet est arrivé chez moi de manière interdite, avec un devoir de le rembourser, de le rendre. J'ai une mitzvah tassée de Veshiv et Akzela Asher Grazal. Peu importe si c'est avant ou après Yehush. Vous avez peut-être déjà entendu qu'il y a en réalité une discussion dans la Gemara. Est-ce que Yehush connaît ou Yehush lo connaît ? Certains pensent que j'acquiert, d'autres pensent qu'on n'acquiert pas. Concrètement, on rapporte la halakha uniquement et on s'en tient à ça. Yehush lo connaît. Le simple fait qu'il s'est désespéré ne fait pas que je peux devenir moi propriétaire de cet objet parce qu'il est venu dans mes mains de manière interdite. Cependant, une application très importante sera le cas où je vais ensuite donner cet objet à une autre personne. Si je donne cet objet avant Yehush, tant que ce Réhouven espère encore retrouver cet objet, il s'avère que cet objet appartient fortement à Réhouven. Même si je le donne ensuite à une autre personne, à Shimon, il s'avère que Shimon acquiert l'objet qui appartient à Réhouven. Shimon a lui-même le devoir de rendre cet objet à Réhouven. Il n'acquiert pas l'objet. Par contre, lorsque je donne cet objet à ce Shimon, après que Réhouven ait été s'est désespéré, donc a fait ce Yehush, après qu'il ait désespéré de retrouver cet objet, alors il s'avère que l'objet, déjà, il a commencé à se détacher de Réhouven.
Tant qu'il est dans mes mains, j'ai un devoir de Veshiv et Exela Asher Gazal. Si ensuite je le donne à une tierce personne, donc à ce Shimon, Shimon réussit à acquérir l'objet, dès lors l'objet appartient à Shimon. Moi, le voleur, j'aurai un devoir bien sûr de rembourser l'objet, de lui donner de l'argent. D'accord ? Mais j'aurai pas de devoir, mais Shimon n'aura pas de devoir, ne devra plus rien à ce Reuven, il ne devra plus lui rendre cet objet. On ajoute à présent un détail important qui va apparaître dans notre Mishnah. L'interdit de Shimon, Shimon a un interdit d'acquérir cet objet même après Yehush. C'est-à-dire, même si Reuven le volait, a déjà fait son Yehush, malgré tout, tant que l'objet est dans les mains du voleur, le voleur a un devoir de le rendre. L'objet, il est volé, mais il n'a pas encore fini d'être complètement arraché du voleur, du volé. Si Shimon vient, lorsque Shimon vient et acquiert cet objet, il s'avère qu'il conclut, il finalise le vol du voleur, et il a en cela un interdit de participer, un interdit de recel, tout simplement. Et d'accord ? Mais malgré tout, la halakha reste que, si concrètement il est venu, il a acquis, parce qu'il ne savait pas par exemple que le voleur était en train de lui donner un objet volé, alors concrètement il aura acquis l'objet, il n'y aura aucun problème. D'accord ? Voilà pour cette introduction. Donc on récapitule très brièvement. On a appris donc la notion de Yehush, se désespérer d'un objet sorti de sa propriété, volé ou perdu. Deux états. Le premier état où on espère encore retrouver l'objet, donc l'objet il est fortement lié à la personne concernée qui a subi la perte ou le vol. Et ensuite un deuxième état où maintenant il se désespère de le retrouver. Et dans ce cas-là, il devient plus facile d'acquérir cet objet. Voilà pour l'introduction. Maintenant, on va commencer à étudier notre Mishnah qui, à mon grand regret, ne va pas parler directement de ça. Mais va de ces halakhot-là, mais va plutôt parler des cas particuliers, originaux, des exceptions de ces règles. D'accord ? Comme ça, Rabbi a voulu organiser les Mishnayot. On lui fait confiance que c'était sûrement la meilleure manière de procéder. Et on commence tout de suite la première partie de la Mishnah. Agozel omachil et banav. Celui qui vole et donne à manger à ses enfants. Vehiniach lifnem. Ou encore. Un autre cas, le cas où il a laissé l'objet voler devant eux, c'est-à-dire ce voleur est en fait décédé et il a fait hériter, et ses enfants ont hérité de ses biens et aussi de cet objet volé. Dans tous ces cas-là, Pturin, Mileshalem, ils seront dispensés de rembourser. D'accord ? On parle de deux cas. On ne va pas les mélanger. C'est assez délicat, en fait. C'est assez délicat. On va l'expliquer d'abord. On va plutôt de nouveau ressortir de la Mishnah pour ensuite revenir l'expliquer dans un deuxième temps. Tout ce qu'on a appris, qu'on a la possibilité de faire Yehush et Shinui Reshut. Donc après le Yehush, après que la personne volée se désespère, si on donne l'objet à une tierce personne, cette tierce personne acquérera l'objet. Cette loi n'est pas en vigueur lorsqu'une personne décède et que ses enfants héritent de ses biens. On ne considère pas le passage du défunt à l'héritier comme un shinui reshut, comme si que l'objet passait dans une propriété, dans une autre propriété. Mais on considère plutôt que les enfants sont là et sont la continuité du père. Donc dans ce cas-là, lorsque le père fait hériter à ses enfants, décède et ensuite ses enfants héritent ses biens, s'il y a des objets volés, les enfants devront rendre ces objets. Pas comme ce qui est marqué dans la Mishnah. La Mishnah, je parle d'abord du deuxième cas de la Mishnah. Veniach lefneim, le cas où il a laissé l'objet posé devant eux. C'est-à-dire qu'il est mort et qu'il les a fait hériter. La Mishnah nous enseigne qu'on n'est pas tour meneshalem, les enfants ne devront pas le rembourser. On parle uniquement que les enfants ont mangé cet objet. Ont consommé cet objet. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Il s'avère qu'en réalité, à Gozel ou Ma'achil et Banav, ou bien le cas de Veniach lefneim, dans tous les cas, l'objet n'est plus présent devant nous. La Gemara explique qu'on parle du cas où le voleur a volé l'objet et après le Yehush, une fois que la personne volée
donc le fameux Réhouven, s'est désespéré de retrouver l'objet. Le voleur l'a donné à manger à ses enfants ou à une tierce personne, sachant même il a invité d'autres personnes à manger à table et qu'il leur a donné. Même si concrètement, il n'y a pas forcément de chinouï réchoute, il n'y a pas de changement de propriété. Malgré tout, ces personnes-là ne devront pas rembourser l'objet, la nourriture donc volée à Réhouven. Pourquoi ? Étant donné que cette nourriture volée, elle est après Yehush, alors il est vrai qu'elle est, dirait, elle est quand même liée, elle appartient encore à la personne volée, mais malgré tout, ce lien très faible fait que celui qui vient et qui consomme cet objet ne doit plus d'argent à son propriétaire. On a réussi à le dire, je vous promets que j'en suis à mon troisième enregistrement tellement que c'était dur à descendre cette Mishnah, mais bon, j'aime. Encore une fois, l'idée est claire, le voleur, donc vol. Je récapitule maintenant en faisant le point des deux à la faute. S'il donne à manger à un invité ou à ses enfants avant Yehush, cette personne qui a consommé l'objet, qui a consommé la nourriture, devra rembourser à Réhouven. Pourquoi ? Si l'objet il est avant Yehush, il s'avère que, ouais, avant que, donc tant que Réhouven le volait, ne s'est pas encore désespéré, il s'avère que celui qui mange directement l'objet, l'aliment, le bien de Réhouven, il doit donc le rembourser. Par contre, si on est après Yehush, même si concrètement l'objet appartient encore à Réhouven, parce que le voleur a un devoir de rendre cet objet à Réhouven, ça lui appartient. Ça appartient pas au voleur, ça appartient à la personne volée, à Réhouven. Malgré tout, comme ce qu'on a appris, le lien qui lie cet objet à son propriétaire est très faible et on peut très facilement le briser. Et en l'occurrence, toute personne qui viendra le consommer, d'accord, ne devra rien à son propriétaire parce qu'on est après Yehush. Voilà pour la Mishnah, la première partie de la Mishnah. Maintenant, cas particulier. V'imaya davar sheyeshbo acharayut chayavin neshalem. On parle maintenant d'un cas particulier. Tout ce qu'on a enseigné, c'est uniquement d'un père qui donne à manger, qui décède, on va plutôt parler du cas, du deuxième cas, du cas où le père décède en ne laissant aucun autre bien à ses enfants. Par contre, si le père avait d'autres biens, il avait par exemple un terrain, ou bien même des biens mobiliers, ouais, quand on étudiera Bartanora, je vous expliquerai quelle est l'insistance sur ces biens mobiliers. Mais pour le moment, on le dit de manière générale, si le père avait des biens, il s'avère qu'il a laissé donc des biens qui lui appartenaient. Et comme il avait une dette envers le voleur de lui rembourser l'objet volé, alors les enfants, quand les enfants hériteront des biens du père, ils auront le devoir, à leur tour, de prendre l'argent du père pour aller rembourser les dettes du père, donc l'objet volé. D'accord ? C'est ce que la Mishnah nous dit. « V'yema yadavar sheyesh bo acharayut chayavin leshalem » Si il y avait une chose qui peut être garant sur les dettes, en l'occurrence, on parle d'un bien immobilier, mais on apprendra de Mortenora qu'il en va de même aussi pour les biens mobiliers, donc, Chayavin Leshalem, les héritiers ont le devoir de prendre ces biens du père, le voleur, et d'aller rembourser la personne volée. L'idée est très simple. À partir du moment où le père a des dettes, les enfants n'ont pas de devoir de payer les dettes du père lorsque le père décède. Mais si le père laisse des biens, alors les biens du père ont un devoir de payer la dette du père, en l'occurrence. Si le père décède en laissant des biens, il avait une dette de rembourser l'objet volé, donc les enfants auront le devoir de rembourser l'objet volé. Ok, on continue notre avancée dans la Mishnah. Ça devient beaucoup plus facile maintenant. En portin, lomitevat amorsin, velomikis sel gabain, venotlin mehem tzedaka. Une petite introduction historique d'abord. Comment se passaient les taxes à l'époque? Le roi voulait gagner de l'import-export, telle somme. Des taxes immobilières, telle somme. Et ainsi de suite aussi, des impôts sur le revenu, des impôts sur le simple fait que tu existes, que tu es vivant. D'accord? Toutes sortes d'impôts. Et il nommait sur cela, il y avait des personnes qui venaient et qui achetaient le droit d'aller s'occuper de récolter de l'argent. Et donc, ça c'est ce qu'on appelait un mechès. Il partait voir le roi et lui disait, tu sais quoi, je t'achète le droit, je vais moi t'amener sur les taxes des imports-exports, t'inquiète pas, tu vas toucher cette année 3 millions de shekels. Moi je m'occupe ensuite de les ramener. Et donc ensuite, ce mechès
va voir les importateurs et les exportateurs et tout ça, et il va leur prendre une taxe à chacun. D'accord? C'est de ça qu'on va parler. Dans notre Mishnah, on va découvrir qu'en général, ces gens du fisc, donc, sont des voleurs. Et puisqu'ils sont des voleurs, l'argent qu'ils ont en main est de l'argent volé. De ce fait, la Mishnah va nous dire, je n'ai pas le droit de faire la monnaie de cette caisse. Je n'ai pas le droit aussi de recevoir de la tzedaka de eux. Par contre, si, lorsque je vais le voir, au lieu de mettre sa main dans la caisse de la taxe, il met sa main dans son portefeuille personnel, alors dans ce cas-là, je pourrais prendre les billets qu'il va me donner en tzedaka ou bien faire de la monnaie. On fait ça dans les mots, puis ensuite on le réexplique un peu mieux à l'oral. En portin, l'ifrot, comme en hébreu moderne, on ne fait pas de la monnaie, on ne fait de la monnaie l'omite vata morsin, ni de la caisse du moches. Le moches, c'est comme le meches, d'accord? C'est la douane, la taxe. Velo mikis shel gabain, ni non plus de la poche des trésoriers, les trésoriers du roi qui vont prendre des missines vers nos notes, le Parthénora va nous dire. Des sortes de taxes immobilières ou peu importe, d'accord? On ne pourra pas partir, on ne peut pas non plus recevoir de eux la tzedaka. Si on a envie de vous faire un petit cadeau, vous ne le prenez pas. Pourquoi? L'argent qu'il a dans la main, il est volé. Pourquoi? On va y arriver dans quelques secondes, on va expliquer ce qu'il y a écrit dans le Parthénora. Aval notel hu mitoch beto o minashuk. Par contre, on n'a pas dit que ces personnes sont foncièrement des voleurs à longueur de temps. Ils ont aussi de l'argent personnel qui n'est pas forcément volé. De ce fait, notel hu mitoch beto. J'ai le droit de prendre de l'argent depuis de sa maison, pas de la caisse dans laquelle il met l'argent de la taxe du roi, mais j'ai le droit de prendre l'argent de sa maison. Peut-être qu'il a, à part ça, il vend des carottes entre midi et deux. D'accord? Au Minashuk, ou encore, si je le rencontre dans la rue, et qu'il me sort son portefeuille, dans ce cas-là, je pourrais de nouveau faire de la monnaie, ou bien recevoir de l'argent de Tzedaka. De quoi parle-t-on exactement? Pourquoi la douane, ou les gens du fisc, sont-ils des voleurs? Ils ont bien le droit de prendre des impôts. Pire que ça, c'est une halakha qui est rapportée dans cette Gemara, ici, longuement, ouais, dans tous ces tapis de Baba Kama, on n'a pas le droit non plus de ne pas payer des taxes. Dina de Malchuta Dina. Vous avez sûrement déjà entendu ça. Les décrets, les lois que fixe le roi pour la bonne gestion de son pays, de prendre des taxes lorsque tu prends l'autoroute, de prendre des taxes lorsque tu fais de l'import-export, lorsque tu achètes et tout ça, c'est tout à fait légitime, normal, et pire que ça, celui qui ne la paye pas, hein, transgresse un interdit. C'est un voleur, tout simplement. On a un devoir de payer. On a un devoir de payer des taxes, selon la Torah. Alors pourquoi cette fois-ci on est en train de nous dire que ces douaniers sont des voleurs? La réponse, elle est qu'on parle d'un douanier qui est soit goy, soit un juif pas assez bien organisé. De quoi? Pourquoi? De quoi on parle? Concrètement, l'idée, elle est très simple. Très, très simple. Un douanier a le droit de prendre de l'argent, qu'il soit juif ou qu'il soit goy, mais à condition que ça fonctionne avec des règles nettes, pas à la tête du client. Il voit son copain, il dit rien. Il voit un qui arrive, ah, celui-là, je vais me le faire. Donc, t'es pas fixe, dans ce cas-là, il n'y a plus la règle de Dina de Malchuta Dina. Dina de Malchuta Dina, ça signifie que les lois du royaume sont des lois, d'un point de vue halakhique, sont des lois et on est tous pliés. Mais à condition qu'elles fonctionnent avec justice, avec règles nettes, d'accord? Tu as décidé de prendre 5% de toutes les ventes. La briout, vas-y, magia alcha. T'as raison, on vit dans ton pays, tu nous fais des routes, et tu as une armée qui vient et qui nous défend, et tout ça. Donc, dans ce cas-là, c'est logique, on doit te payer. Mais par contre, si ça fonctionne à la tête du client, selon ton humeur, tu décides, à lui je lui prends, j'ai pas envie de faire la tournée de tous les commerçants aujourd'hui au marché, donc je vais les trois premiers, je les esquinte. Allez, ça c'est du vol, d'accord? Un goy, lorsqu'il est responsable sur le mechès, il est mourzak, que logiquement, il ne va pas forcément fonctionner avec justice. S'il fonctionne avec justice, il est matov manaim. On aura de nouveau le devoir de lui payer comme il faut. D'accord? Mais s'il fonctionne à la tête du client, ou tout simplement même un juif qui n'a pas de kitzba, là, le partenaire va dire, Mochès Israël, Shan lo kitzba, il n'a pas de limite à la tête du client.
D'accord? On a envie de finir vite sa recette aujourd'hui, par exemple. Dans ce cas-là, ce sont des voleurs. Et on ne pourra pas partir faire de la monnaie chez eux. Pourquoi? L'argent qu'ils ont dans les mains, c'est de l'argent volé. Donc je ne vais pas pouvoir lui donner un billet de 100 shekels pour qu'il me donne ensuite deux billets de 50 shekels. Les deux billets de 50 shekels qu'il va me donner, ce ne seront pas les siens. Il ne pourra pas, lui, décider de faire de la monnaie. On va avoir un problème. Je vais me retrouver avec de l'argent qui appartient à quelqu'un d'autre. D'accord? Même. Alors là, maintenant, c'est sur ça qu'il y a une petite précision. Est-ce qu'on parle du cas parce que celui qui a donné les 50 shekels n'a pas fait Yehush? Donc c'est logique. Et s'il n'a pas fait Yehush, ça lui appartient directement. Ou bien il y a même un roche qui ose dire, même s'ils ont fait Yehush, parce qu'ils ne peuvent rien faire contre ce douanier du roi, mais malgré tout, comme ce qu'on a évoqué la halakha précédemment dans l'introduction, il y a un interdit de contribuer à la recel. J'ai pas le droit d'aider ensuite le voleur à continuer le vol. Tant qu'il a pris les 50 shekels, il n'avait pas le droit de les prendre. Il les a pris de manière illégale. Et l'argent volé, pour le moment, il appartient à Reuven, qui s'est fait avoir. Lorsqu'il va me redonner ensuite ce billet de 50 shekels, il s'avère que moi, je vais l'aider à conclure le gezel. Le Roche, il dit ici, à ce niveau-là, va falloir d'avoir mégouné, ou c'est quelque chose de pas joli, de pas juste. À prendre l'objet, de faire de la monnaie avec l'objet volé. D'accord? Idem donc pour la tzedaka, et par contre, mitoch beto minashuk, comme ce qu'on a expliqué, de prendre des biens qu'il a chez lui, on n'a jamais dit que tout l'argent qu'il a, c'est du vol. L'argent qu'il a dans cette caisse spécifique de la douane, alors on le considère comme du vol. D'accord? On fait à présent le Bar Tenora, qui va être de nouveau très long, mais Baruch Hashem, qu'on a bien introduit, ça va donc être facile. Agozel o ma'achil. Il a pris les deux premiers mots du Perek, et ensuite on avait vu le mot de Vehiniach Lifneem. Il nous précise, c'est pas Vehiniach avec Vav Achibour, le Vav qui ajoute, mais Vav de Apiroud. Oh, Shehiniach Lifneem Akzela Kaimet. C'est soit qu'il a donné à manger à ses enfants, ou soit qu'il a laissé l'Akzela devant eux, et donc qu'il est décédé. Turin Menchalem, les enfants sont dispensés de payer. Le Bartanoa nous enseigne. Si les enfants ont consommé cet objet, cet aliment, après le décès du père, et donc, elle n'est plus là devant nous, d'accord? Ils seront dispensés de payer. Pourquoi? Parce que ces enfants n'ont rien volé, donc ils n'ont pas le devoir de veheshiv et akzelab asher gazal. Au métaltele, l'homme échabde le baal chov. On laisse cette petite phrase de côté jusqu'à qu'on arrive dans la suite du Bar Tenora. D'accord? Je la traduis quand même. Les biens mobiliers ne sont pas garants pour rembourser les dettes. Vimloa chaloua, veibéna, le Bar Tenora continue et nous dit. Par contre, s'ils n'ont pas encore consommé cet objet volé, veibéna, et donc elle est devant nous, la vache de M. Seguin, non, c'est une chèvre. D'accord, elle est devant nous, telle qu'elle, alors, Chayavim l'arzir, ils auront le devoir de la rendre à M. Seguin. D'accord? Imaya davar sheshboa harayut. Ensuite, on passe dans la suite de la Mishnah, la deuxième phrase où on avait dit, Imaya davar sheshboa harayut. S'il y a des biens qui peuvent se porter garant, alors, ils auront le devoir de rembourser. On expliquait Klomar, c'est-à-dire Veim eniach lehem aviem davar sheyesh bo acharayut shehem karkaot. Si le père leur a laissé des biens sheyesh bo acharayut qui peuvent se porter garant, c'est-à-dire shehem karkaot, qui sont des biens immobiliers, des terrains, chayavim leshalem afal pi shachalua gvar. Ils auront dans ce cas-là le devoir de rembourser, même s'ils ont consommé cette fameuse chèvre de Monsieur Seguin. D'accord? Pourquoi? Donc, comme ce qu'on avait expliqué à l'oral, l'idée est très simple. Le père avait une dette envers ce Monsieur Seguin. Il a des biens pour rembourser. Même lorsqu'il décède, les enfants devront aller lui rembourser avec les biens qui appartiennent au père. Jusqu'à maintenant, on a parlé que le père avait des biens immobiliers. Parce qu'on a une halakha, de manière générale, que seuls les biens immobiliers se portent garants pour rembourser les dettes. Mais concrètement, il y a une takana des Géonim que, à notre époque, on saisit même les biens immobiliers. De ce fait, la halakha, elle va changer.
Même si le père aura laissera des biens mobiliers, il laissera une voiture, il laissera des chaises, des meubles, un ordinateur, on prendra ces biens-là pour aller les rembourser. C'est ce que le Bartora nous dit tout de suite. Achim et Tarsa Matnitin Bagmara. Ainsi, on répond la Mishnah, on explique la Mishnah dans la Gemara. D'accord? Oulian Psak Halacha, concrètement, le Psak Halacha. Agozel Oma Achil et Banab, celui qui vole et donne à manger à ses enfants. Ben Shachlou, Lifnei Yush, Ben Shachlou, Leachra Yush, qu'ils aient mangé avant ou après Yehush. Chayavim, Leshalem, Mimamon, Sheiniach, Laem, Aviem. Dans tous les cas, les enfants devront rembourser le vol à partir des biens que le père a laissés. Ben Minechasim, Sheishlem, Acharayut, qu'il s'agisse des biens qui peuvent être garants, donc des biens immobiliers. Ben Minechasim, Sheishlem, Acharayut, ou qu'il s'agisse des biens qui ne sont pas en théorie garants, donc des biens mobiliers, des haïdena, parce qu'à notre époque, metaltelem et shabde le balchov. Les biens mobiliers aussi sont portés garants, sont engagés pour le remboursement des dettes. Veimloni achagazlan kloum. Maintenant, si le père, en plus d'être un bon voleur, c'est un vrai pauvre type qui n'aura rien laissé. Imachlou abani magzela lifneyeush. Alors là, on arrive dans le cas qu'on avait expliqué à l'oral. Si les enfants ont consommé cet objet volé, donc cette vache, cette chèvre, avant le Yehush, avant que M. Seguin fasse son Yehush qui se désespère, Chayavim les Shalem Michelem, ils auront le devoir de payer de leur propre argent. Pourquoi? Parce que l'objet avant Yehush appartenait à la personne volée. Par contre, s'ils ont consommé cette chèvre après le Yehush, après que M. Seguin ait désespéré de la retrouver, ils n'auront plus le devoir de rembourser depuis leur propre argent de poche, sauf si leur père leur a laissé de l'argent. Ensuite, on passe à la suite de la Mishnah. On avait vu « En portin, on ne fera pas de la monnaie. « En machlifim slaim beprutot » On n'a pas le droit de faire de la monnaie, d'échanger un sela contre des proutotes. D'accord? C'est les monnaies d'époque. Miteivat amorsin, depuis la caisse du... On avait traduit ça par le douanier. Litol proutot miteivatan shinotnin bamaot amerches. On n'a pas le droit de se servir, de récupérer de l'argent là-bas, de la boîte dans laquelle ils mettent tout l'argent de la douane, de la taxe. Velo mikis shel gabayin, ni non plus de la poche des gabaïnes, des trésoriers du roi. Gabaï Ameler, les trésoriers du roi, chez Gove Kesef Gulgolet Vernona, desquels ils saisissent la taxe de la Gulgolet au crâne, donc à la tête de pipe, Vernona, ou bien la taxe immobilière. Les fichiers Hen Shel Gezel, car toutes ces taxes sont du Gezel. Pourquoi? Vedavka Bemoches Nochri. On parle uniquement d'un Moches Nochri, d'un douanier Goy, ou Moches Israël She'en Lo Kitzva, ou encore un douanier juif qui ne sait pas fixer des limites proportionnelles aux biens, aux personnes, d'accord. Chez Lokar, comment chez Orotse, à chaque fois, à la tête du client, il prend tant qu'il veut. Avec le Moches Israël, par contre, si c'est un douanier juif, chez Mido, Afilo Melech Nochri, que même un roi Goy l'a nommé, délégué, Velokar Davar Katsuv, Bechok Amalchut, et qu'il est méticuleux à prendre à chaque fois selon des normes fixes, établies, préétablies, Bechok Amalchut, selon les lois du roi. Eno Bechaskat Gazlan, dans ce cas-là, on ne le considérera plus comme un Gazlan, comme un voleur, ou Portin Mitevato, et donc on pourra faire de la monnaie depuis sa caisse. Velo Od, plus que ça. Et là, chez Assur l'Avriach Minamechès Shelo, on n'aura même pas le droit d'esquiver le devoir de payer la taxe. Des Dina de Malchuta Dina, car le din du royaume est un din d'un point de vue halachique. Les lois fixées par le roi ont un statut de loi, même dans les batei dinim. Ensuite, par contre, on avait appris dans la Mishnah qu'on pourra faire de la monnaie mitoch beto shel moches ou bechasket gazlan depuis la maison du douanier, même si lui-même est réputé et soupçonné d'être un voleur malgré tout. Ça signifie pas que tout l'argent qu'il a chez lui est forcément du vol. O minashuk ou encore imeshlo maot bebeto o bashuk she'enam beto betavat moches.
la maîtresse, s'il a de l'argent dans sa maison ou au marché qu'on rencontre dans la rue, qui ne vient pas directement de la boîte de la douane. Ensuite, Veim Chayav, attention, cas particulier maintenant qu'on n'a pas évoqué à l'oral, le Bartanura nous le dit tout de suite, je le dis d'abord, c'est le cas où concrètement je dois payer une taxe. J'ai pas de monnaie, j'ai que 100 shekels. Est-ce que j'ai le droit de donner les 100 shekels à ce douanier frauduleux, lui donner 100 shekels et compter sur le fait qu'il va me rendre 50 shekels? Ou bien non, j'ai pas le droit de récupérer de la monnaie, parce que l'argent que je vais récupérer, c'est Gezel. Alors là, le partenaire va nous rapporter la Gemara qui nous dit qu'on a le droit de récupérer de l'argent, parce que cette fois-ci, ça s'appelle Matzil Meyado. On t'a pas demandé, étant donné que c'est pas sûr que ce soit du vol, alors, pour éviter ta perte, t'as le droit, malgré tout, de récupérer cet argent. Ouais, comme ce qu'on avait vu dans le partenariat, c'est juste d'avoir mégouné. Dans le dossier Tom Tov, on avait évoqué. C'est juste d'avoir mégouné, c'est pas joli. C'est pas joli dans la mesure où tu peux faire autrement. Si t'as plus le choix, alors t'as le droit de le faire. Ensuite, donc c'est ce que le partenariat nous dit tout de suite. Ve'im chayav adam protot la moches. Et si un homme doit de la petite monnaie au moches, au douanier. Min ameches bechatsi dinar ve'en lo protot. Il doit uniquement un demi-dinar et n'a pas de petite monnaie. Noten le dinar kesef. Il pourra lui donner un dinar entier. Ou mekabel mimenu protot beshave chetsio. Et recevoir en retour la monnaie pour une valeur de la moitié. Donc, ve'afalpish noten lo mitevat amor ameches. Bien qu'il va lui donner en se servant depuis la boîte du meches. Mipene shehu kematsil miyado. Parce qu'il sera dans ce cas-là comme un cas de celui qui est matsil miyado. Il vient sauver ses plumes. Dans la mesure où ce n'est pas sûr que tout l'argent qu'il a dans sa boîte est forcément de l'argent volé. C'est juste un soupçon. Dans ce cas-là, j'aurai le droit de récupérer de cet argent. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Moadim Lesimcha, et rendez-vous demain, Kol Tov, Selah.